C'est par dizaines, par centaines que les supporters de l'ASM Clermont-Auvergne ont investi l'aéroport d'Olna ce matin. Parés de leurs plus beaux atours, ils espèrent vivre en Irlande un moment historique. Ça va être difficile, mais c'est pas impossible. L'ASM est imprévisible, on peut les battre. Moi je pense que c'est une chance pour l'ASM, parce que ça lui permettrait en cas d'exploit de vraiment rentrer sur la scène internationale, de rentrer quasiment dans l'histoire du rugby français, parce que battre l'Anser chez lui c'est un exploit. Et si un jour Clermont veut enfin gagner des titres et enfin vraiment s'affirmer dans le rugby français, ben ça passe par des matchs comme aujourd'hui. On espère que ça va très bien se passer et on fera tout pour dans les tribunes en attendant. Voilà, faites-nous confiance. Face aux champions d'Europe, la tâche des Clermontois s'annonce délicate. Les supporters en sont conscients. Certains d'entre eux émettent même des doutes sur la neutralité du corps arbitral. Jouer sur leur terre avec un arbitre des îles Britanniques, ça peut être facile. À mon avis, on part au moins avec 6 points de retard, donc il faudra être vaillant sur le terrain. J'y crois quand même, parce que puis vu le nombre de supporters qui viennent accompagner l'équipe, normalement ça devrait le faire, quoi. Ce soir à Dublin, ils seront près de 3000 à supporter leur équipe. Et dans la nuit, ils espèrent revenir de leur voyage en Irlande avec le sourire.